Pro. Il y en a pas un autre. Surtout votre jeunesse. Hein. Monsieur le Premier ministre. Oui, on va le faire à l'extérieur. D'abord comme ça, tout le monde verra. Et deuxième élément, il fait une chaleur torride à l'intérieur. Donc je vais demander au sénateur s'il peut venir derrière, comme ça il sera sur la photo. Au député de venir devant, comme ça il sera aussi sur la photo. Monsieur le Premier ministre, cette ville nous rajeunit. C'était en 1982-83, Gérard Gaudron s'en souvient, 83. Elle a été acquise de haute lutte. Et donc, si vous en êtes d'accord, on va faire un accueil à l'allemande. Quand on fait une campagne en Allemagne, les leaders politiques, vous le savez, viennent dehors dans les cafés. Nous, on rentre dedans, mais nous, on boit moins de bière qu'eux. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, ils sont... j'en ai perdu 14. C'est la raison pour laquelle, cher François, nous sommes très heureux. Après Rosny-sous-Bois, nous étions chez Léon Wauk, qui est un des partisans de la mondialisation. Nous sommes très heureux de t'accueillir avec Gérard Gaudron. Gérard a comme particularité qu'il a été ici depuis 30 ans. Il a été de tous les combats en 1982-1983, il s'en souvient. J'étais le directeur de campagne de Jean-Claude Abriou et il était seconde liste de Jean-Claude Abriou. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une circonscription qui va être tout à fait symbolique. Elle peut basculer, mais elle peut aussi être conservée. Et si, quand tu regarderas les résultats, tu vois Aulnay-sous-Bois, qu'on a gardé Aulnay-sous-Bois, ça veut dire qu'on aura remporté les élections. Donc ta venue, elle est plus que symbolique. Moi, je joue simplement le sabatier de la venue de François Fillon. Je ne le présente pas, je ne présente pas nos candidats. Moi, je ne pouvais pas demander que François vienne dans la 12e circonscription, vu que Nicolas Sarkozy était venu au moment des élections présidentielles. Et qu'en politique, il faut savoir jouer la solidarité avec ses amis et ses compagnons. C'est la raison pour laquelle je passe la parole, et on ne sabote pas le micro, je passe la parole à Gérard Gaudron, en remerciant tout particulièrement tous les amis qui sont présents. D'abord Philippe Dallier, qui est le maire sénateur de la ville voisine. Katia Kopi. Tu vois, Katia, j'oublie personne. Hein. Voilà, les costumes au son regard et les décors de Lionel Caldwell. Et donc, en fonction de cela, cher Gérard, en remerciant Philippe et Katia, en remerciant tous les élus municipaux du secteur que je vois très nombreux, je passe la parole à Gérard Gaudron, futur député réélu de la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis. C'est avec un honneur et un grand plaisir que nous vous accueillons ici dans cette circonscription à quelques jours du premier tour des élections législatives. Tous ceux qui sont ici peuvent vous dire qu'ils ont entendu notre appel à la mobilisation pour poursuivre la modernisation de notre pays, modernisation que nous avons engagée ensemble depuis 2007. Nous sommes et nous devons être plus vigilants que jamais pour empêcher que le programme de François Hollande et du Parti Socialiste soit mis en œuvre. En Seine-Saint-Denis, et peut-être plus qu'ailleurs, les combats politiques sont difficiles, car ici tout prend un relief particulier. Mais il n'y a aucun combat perdu d'avance, et il y a surtout une super mobilisation pour de tous pour faire changer ce département. Vous n'avez eu de cesse, pendant ces 5 années de premier rassemblement, notamment à l'Assemblée nationale, où vous avez été un chef de majorité respecté et apprécié, et 5 ans pour un Premier ministre, c'est long. Mais il vous a fallu ce temps-là pour remettre notre pays dans le bon rail. Vous nous avez toujours demandé de suivre des objectifs ambitieux pour notre pays. Nous vous avons suivi, et nous avons retroussé nos manches, et cette législature restera dans les annales. Mais il ne faudra pas que ce quinquennat reste une parenthèse, car nous avons un bilan qui nous honore. La réforme des retraites, le service minimum, dans les transports,
la valorisation des heures supplémentaires, le Grenelle de l'environnement, le RSA, et je pourrais allonger la liste, mais je vais vous laisser la faire. Nous avons certes perdu les élections présidentielles de peu, contrairement à tous les pronostics. Pour autant, il n'y a pas eu d'adhésion au programme et aux valeurs de la gauche, et c'est peut-être là une chance pour nous. Monsieur le Premier ministre, vous avez à juste titre émis des réserves et des critiques, voire un avertissement sur le programme de François Hollande, mettant en garde les Français sur le danger qu'il fait courir à la France au moment où la concurrence des grandes puissances comme la Chine ou l'Inde est plus forte que jamais. Comme vous nous l'avez dit à maintes reprises, le programme du Parti Socialiste ne permettra pas à la France de relever ce défi, de se moderniser et de se renforcer. Comme d'habitude, les socialistes vont augmenter les dépenses publiques et forcément, du même coup, les impôts. Notre mission consiste à éviter que ce programme ne soit mis en œuvre et que la modernisation de notre pays, que vous avez engagé avec nous, ne soit stoppée net pour des raisons idéologiques. Les Français sont prêts à entendre la vérité, notre vérité, et vos 5 années à Matignon vous permettront de parler mieux que quiconque des défis auxquels nous sommes confrontés. Encore merci de votre présence à nos côtés. Et avant de vous céder la parole, je voudrais remercier notre hôte, Laurent et son épouse, et ceux qui ont pris sur leur temps pour venir à notre rencontre. Je sais que je peux compter sur vous, tous, au quotidien, car votre dynamisme est communicatif.